Alors, on va aller dans ma chambre, mais pour passer dans ma chambre, il faut passer par la chambre d'Enola. Mais on filmera pas, parce que c'est la sienne, c'est pas la mienne. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ça y est, ma chambre elle commence ici, vous pouvez voir la déjouer partout. Alors c'est parti, on y va et on commence par les Playmobil qui sont là. Alors ici, c'est les Playmobil de Noël avec le petit sapin. Ensuite, il y a un peu de l'été tout mélangé. Avec la petite princesse, le monsieur, tout le monde là. Il y a tout le monde. Ça, c'est un petit carton à bazar. Là, on a des petits trucs, là, des petites poupées, là, des petites maisons de poupées. Enfin, une petite maison de poupées. Ensuite, j'ai un petit jeu comme ça qui s'ouvre. Ensuite, ah non, j'avais oublié quelque chose. J'avais juste oublié la petite maison qui, avec la porte, s'ouvre et se referme. Maintenant, on passe au Sylvanian. Alors là, j'en ai beaucoup plus. Alors, déjà, ici, on a la petite maison avec quelques meubles. Alors, si elle a juste un petit lit et c'est tout, avec une petite chaîne qui est traite par terre, un petit bébé et une femme, c'est simplement parce que, en fait, on meuble petit à petit. Et donc, il me faut plein de choses, une cuisine, tout ça, avec les toilettes. Il me faut plein de choses. Et ici, et tous les trucs que je vais commander dans l'autre maison. D'abord, je vais commander tout pour cette maison. Là, là. Et une fois tout commandé, je commanderai encore, mais pour l'autre maison. Donc là, par exemple, à Noël, je commanderai un lit Sylvanian et des toilettes Sylvanian et une cuisine Sylvanian et ça sera tout. Et celle-là, elle date de notre époque, plus des petites lumières qui s'allument. Et en dessous, c'est pareil. Ensuite, celle-là, elle date de l'époque de ma maman. Et elle, si vous avez bien remarqué, elle n'a pas de lumière. Tout ce qu'elle a, c'est des petits escaliers. Ensuite, on passe au magasin. Alors ici, là, le petit monsieur. Hop, après, la madame, elle fait ses courses. Et après, elle va payer. Ensuite, alors ici à l'école, il y a des grands ici. Là, c'est tous des grands. Là, c'est tous des grands. Et là, c'est des petits. Et dedans, il n'y a qu'une chose qui marche. Là, des petits accessoires. Ça, c'est un petit crayon. Ensuite, ici, on passe. J'avais oublié. Mais des fois, on trouve ça. On trouve ça. Une petite tissette. Une petite tissu. Et on peut les mettre aux petits Sylvanian qui ont des petits trous comme cela. Mais je sais bien, ça tient pas. Ah, c'est bon. Allez, là, c'est bon. Ça tient plutôt. Lui, ça veut plutôt tenir. Voilà. Ensuite, on passe. Oh, Shopkins! Alors, tout ça, c'est des Shopkins. Ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les Shopkins, ils ont devant eux. C'est des petits personnages qu'on peut des fois s'en servir pour jouer et des fois s'en servir pour décorer. Et pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, j'ai oublié! Vous avez faim? Un petit sandwich? Ça vous tente? Attention, c'est pas des aliments. Faut pas les manger. Alors ça, vous voyez, c'est un petit toboggan.
avec ça, hein, comme une souris, tout simple. Ensuite, vous avez un petit pic. Alors ça, voilà, ça marche comme ça. En fait, vous avez qu'à avoir ça et ça. Et un petit Shopkins qui a un trou comme celui-là. Ensuite, on le pose sur le petit pic. On le met à l'endroit. Et on le fait glisser. Ensuite, une fois qu'il est là-dessous, on appuie sur cette petite machine-là. Ensuite, ça va sauter. Regardez bien. Ça a tout fait bouger. Ça a tout fait bouger. J'ai rien prévu. Ensuite, soit vous le décrochez, vous faites un tirage là, ou soit vous le laissez pas. Pour fermer, on n'a qu'à faire comme je vous l'ai dit. Bon, ici, c'est le petit endroit barbe à papa. D'ailleurs, vous voulez une petite barbe à papa? Je vais vous en faire. Oula. Hop. Bon, c'est toujours pareil que tout à l'heure. On prend un qui a un trou. On le pose. On remet le couvercle. Et on appuie sur le petit cœur tout violet. Ça tourne. Avec la petite pancarte papa, papa. On passe au petit poney. Alors ici, on a le château. Alors ici, vous avez ça. Un petit truc comme ça. Vous appuyez dessus. Puis en dessus, là, il y a un petit diamant et un petit cœur et un petit je sais plus quoi. On a un petit chariot. Ensuite, on a un petit chariot. Et la reine se fait transporter comme cela. Ensuite, on a deux petits poneys de l'époque de maman. Quelle est des petites pièces. La petite maison que maman elle avait quand elle était petite, de petits poneys. Et elle a tous les accessoires. Et c'est bien la maison de quand maman elle était bien petite. Ensuite, on a cette petite maison. Mais qu'est-ce que j'avais ça? On a cette petite maison de Pet Shop, de LPC. Pet Shop LPS, c'est pareil. Alors ici, on a un petit balcon. Où les petits LPS peuvent aller là, comme ça, là, 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 là. J'ai profité, j'ai profité. Ensuite, ici, en fait, quand les Pet Shop, ils vont là, sur cette plateforme, ils tombent en bas. Alors, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, ici, là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étages. Et ben, quand un Pet Shop va là, là ou là, pareil, c'est pareil. On va le poser là. Il faut qu'il y ait un coup. C'est comme les barbes à papa. Sauf que... Oula, elle est bloquée. Vous trouvez ? Et après, normalement, il faut appuyer là, mais des fois, elle fait tout seul. Bah ici, c'est toujours pareil que l'autre. Ici, il y a un petit transat qui se met, mais je ne sais pas où il est. Ensuite, il y a un petit bac, c'est un petit fauteuil de LPS. Et ici, j'ai une petite maison comme ça. Une petite maison comme ceci. Une petite maison comme ça. Ensuite, on a cette maison. Qui est, je trouve, très très jolie. J'ai deux maisons comme ça, c'est les mêmes. Mais celle-là, elle a la porte et l'autre non. Alors ici, elle a la... Alors ici, c'est pareil que pour les féondiles. Elle a la petite porte qui s'ouvre. Elle a la chatière qui bouge. Comme une fraîche à terre. Ben ça... Ben... Et en fait, ceux qui ont des trous, ils peuvent se mettre sur ce petit pic. Que vous voyez pas très bien. Voilà, là, vous voyez mieux. Elle a un petit tuyau. Après, on le fait pousser jusqu'à là. Après, il tombe dans le trou. Il passe là et après, il tombe là. Moi, j'ai toujours essayé de le soulever, mais bon, j'ai jamais réussi. Ensuite, là, le petit poisson là qui tourne. Bon, 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 il est bien. Ensuite... Bah là il y a un petit truc qui va mais je sais pas trop où il est. Et on appuie là et ils se mettent et ils se montent et tout. Ensuite là c'est la petite salle de bain
avec ici les trous pour les boîtes aux lettres. Là, l'alger. Là, c'est pour mettre les savons. Voilà pour les pet shops. Ensuite, on passe à mon étagère. Alors voilà, ça c'est juste un petit bazar comme ça. Hein. Des petites peluches dedans, des petits trucs comme ça. Oh, un petit poney. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai tout mon pack de PS. Mais non, je rigole. Là, c'est tout mon pack de poupées, de poupons, tous les petits trucs. Ah, tous les petits trucs comme ça. Ensuite, au-dessus, on a mon petit pack à déguisement. Là, c'est là où je mets tout mes petits déguisements. Alors, je vais mettre le petit serre-tête. Alors, voilà ce qu'il donne, celui-là. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il donne celui-là. Voilà ce qu'il donne. Bonjour, je m'appelle Minnie. Alors voilà, ici c'est un petit livre de coloriage, un petit livre pour le soir. Un peu de tout. Je vais même garder mes livres de soutir quand j'ai des petites. Oui, c'est pas de bébé ça. En tout cas, j'adore ça. J'ai même un petit document sur les lapins. C'est mon lapin. Mon lapin nain. Ça porte sur le petit lapin nain. Alors là, j'ai mes petits chats, ma petite peluche en déco et ma petite licorne. Et après, ici, j'ai que des petits. Que des petites peluches. D'ailleurs, oula, la petite biche. Comme ça, c'est maman qui l'a cousu. Pour Halloween, pour Noël. Là-haut, on a toutes les peluches. Je saute parce que c'est un petit peu trop haut. Ça, c'est de là qu'il me l'a donné. Enfin, qu'il me l'a acheté à Claire's. Parce que je lui avais demandé. Alors, comme elle avait assez d'argent, elle a dit, bon, oui, d'accord, je vais l'acheter. Et après, elle me l'a acheté. Alors ça, vous avez vu, c'est mon petit sac que j'ai gagné au concours vidéo que j'ai fait, et j'ai fait une vidéo. Donc vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, on vous la met dans le petit. Alors ici c'est mon petit pack à peluche, hein. Là énormément, et en dessous c'est tout un petit bazar, là en dessous là, c'est tout le petit bazar. Ensuite, là c'est mon bac. Alors mes capes là, ma tête à coiffer, ma grande poupée, la plein de choses, c'est un petit bazar quoi. Un vrai petit bazar. Ensuite, on a mon lit. Alors ici c'est mon petit plat de poussine. C'est mon petit plat de poussine. Qu'est-ce qu'il est doux et beau! Alors moi je dors avec mon petit plaid poussine, mon duvet de princesse, ma licorne qui s'allume, ma petite boîte à musique et mes petites histoires dedans qui fait ce bruit là. C'est une petite mélodie pour s'endormir. Et ensuite, je dors avec toutes mes peluches qui sont là. Alors ici, c'est tout ma petite étagère. C'est un peu tout. Les Shopkins, des Tivanian, des Playmobil, bah de tout. Des petits madame. Comme ceci, que vous avez pu voir dans la vidéo 24 heures dans la baignoire. Parce que si vous l'avez vu, le carton était trop petit pour moi. Ensuite, ici, j'ai mes petits Monsieur Patate qui sont un petit peu mélangés avec mes Monsieur Matin. J'ai mes Lego et mes Pet Shop. J'adore ça. Pet Shop.
Attends, mon préféré, c'est les Emmanuel et les Pet Shop. Alors aussi, je ne vous montrerai pas mon armoire parce que mon armoire elle est trop grande et ma chambre elle est trop petite. Donc elle est en dehors de la chambre. Là, vous la voyez avant les travaux, mais après on va faire tous les travaux. Ça va prendre peut-être un mois parce que quand même, il y aura plein de choses. Vous verrez tous les détails. Tout aura changé. Alors on vous refera une autre vidéo. Ainsi, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. On peut conclure la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus jusqu'à faire exploser le compteur, à commenter, à partager et abonnez-vous. En attendant, nous, on vous fait des gros bisous.